de vivre, tu es Seigneur, ma seule raison. Ma seule de vie, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur, ma seule raison. Ma seule raison de vie. Voilà que nous sommes dans cette attitude d'adoration. Je peux entendre le Seigneur Jésus-Christ me dire, le temps est arrivé où je viens habiller mon épouse. Il dit de la même manière qu'on habille une épouse qui se prépare le jour de son mariage. Il dit, mes anges sont répandus dans le monde pour habiller l'épouse qui est l'Église. Il dit de la même manière qu'une femme qui se prépare pour le mariage s'habille, s'apprête. Le temps est arrivé de vous apprêter, dit le Seigneur. Il dit, c'est le temps où l'épouse doit s'apprêter. Il dit, j'ai déployé des anges afin que l'épouse s'apprête, afin que mon épouse s'apprête, dit le Seigneur. Mais il dit, avant que l'enlèvement ne se passe, l'Église connaîtra une dimension de son esprit qui n'avait jamais été répandue sur la terre. C'est ça que le Seigneur dit ce matin. C'est ça que le Seigneur dit ce matin, alors que nous sommes dans cette attitude d'adoration. Il dit, je suis venu habiller l'épouse. Il dit, l'épouse doit s'apprêter. L'épouse doit s'habiller. L'épouse doit s'habiller, dit le Seigneur. Il dit, je reprends une eau nouvelle sur l'Église, sur la terre. Je reprends une nouvelle eau de mon esprit que le Seigneur est en train de reprendre. Il dit, je reprends une nouvelle eau. Il dit, mon peuple, ce matin, écoutez ma voix. Il dit, marchez en esprit de vainqueur. Selon que j'ai dit, à celui qui vaincra. Il dit, je vous appelle à vaincre. Je vous appelle à vaincre. Car c'est celui qui vaincra qui sera récompensé. Soyez animés de l'esprit de vainqueur, car j'ai tout accompli afin que vous marchiez dans l'esprit de vainqueur, afin que vous vous accaparez de l'esprit de vainqueur, dit le Seigneur. Il dit, lorsque vous lisez l'Apocalypse, je m'adresse à celui qui vaincra. Ceux qui vaincront, ce sont eux qui seront récompensés. L'Église doit s'animer, doit être animée de l'esprit de vainqueur. Dans cette saison, appropriez-vous de la victoire que j'ai accordée à la croix. Car je déverse une eau nouvelle, une eau pour laver mon peuple, pour laver mon église, une eau pour laver mon église, dit le Seigneur. Pour laver mon église, c'est une nouvelle dimension de mon esprit que je repens. Que je repens, car j'aime mon peuple, dit le Seigneur. Il dit, j'aime mon peuple. J'aime mon peuple. Le peuple dont je me suis acquis, au prix de mon sang à la croix. Mon peuple, vous avez de la valeur à mes yeux. À cause du sang que j'ai versé. C'est le sang du triomphe. C'est le sang de la victoire. Je repens une eau nouvelle. Je reprends les fleuves de vie. Je reprends les fleuves de vie. Je les déverse sur mon peuple. Sur mon peuple. Ce matin, dit le Seigneur, je déverse cela. Que mon peuple entende ma voix, dit Dieu ce matin. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, je déverserai de l'eau vive.
dit le Seigneur. De l'eau pour vous désaltérer. De l'eau pour vous désaltérer. Je déverse cette eau. En même temps, je suis venu préparer l'épouse. En même temps, mes anges sont en train de préparer l'épouse. Je vous l'ai dit, de la même manière qu'on prépare une épouse qui s'apprête à aller à la rencontre de son époux pour célébrer le mariage, vous êtes dans la période de la préparation de l'épouse. De l'épouse qui doit venir à ma rencontre. Préparez-vous chaque jour, car les temps sont courts, car le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Alors soyez vigilants, redoublez d'efforts, redoublez de prières, redoublez de discernement, redoublez de discernement, dit le Seigneur. Je vous aime, mon peuple. C'est pour cela que je vous annonce ces choses. Parce que je ne veux pas que nul se perde. Je ne veux pas qu'aucune brebis se perde. Je vous ai racheté un grand prix, au prix de mon sang, à la croix de Golgotha. Mon sang parle toujours. C'est un sang éternel, d'une alliance éternelle, dit le Seigneur ce matin. Dit le Seigneur ce matin. Dit le Seigneur ce matin. Il dit dans cette saison, je vais visiter plusieurs vieillards. Plusieurs vieillards parmi vos parents. Je vais les visiter afin qu'ils me connaissent, afin qu'ils me rencontrent. Je suis Jésus et je me révèle. La religion perdra son emprise sur mon peuple, afin que mon peuple marche au son de ma voix. Marche selon mon esprit, dit le Seigneur. Dit le Seigneur ce matin. Dit le Seigneur ce matin. Il dit, revêtez-vous des armes de lumière. Revêtez-vous de mon manteau. Revêtez-vous de ma parole. Revêtez-vous des œuvres de lumière, dit le Seigneur ce matin. Il dit, l'heure est arrivée où mon peuple doit se sanctifier. Sanctifiez-vous. Séparez-vous de tout ce qui est souillé. Séparez-vous de ce qui ne me glorifie pas. Séparez-vous, dit le Seigneur. C'est l'heure de vous sanctifier. C'est l'heure de vous sanctifier. Ainsi vous connaîtrez ma gloire. Ainsi je me révélerai à vous. Ainsi je me glorifierai au travers de vous. Ainsi je me révélerai, dit le Seigneur. L'eau que je déverse, c'est une eau qui vient vous renouveler. C'est une eau qui va vous élever davantage. Vous êtes ma montagne, mon peuple. Je lève mon peuple au-dessus des autres montagnes. Vous êtes ma montagne. Élevez-vous afin d'expérimenter la transfiguration avec moi. Vous êtes ma montagne. Je vais lever ma montagne sur la terre qui est mon peuple, au-dessus des autres montagnes. Parce que vous êtes ma montagne. Vous êtes une armée de vainqueurs. Car j'ai vaincu toutes choses. J'ai vaincu toutes choses à la croix. Rien ne vous résistera. Rien ne vous résistera. J'ai vaincu afin que rien ne vous résiste. Afin qu'aucun ennemi ne tienne devant vous. Afin qu'aucun obstacle ne tienne devant vous. J'ai vaincu afin que ces choses soient évidentes dans vos vies. Saisissez-les. Écoutez ma voix, saisissez ces choses, car l'heure est arrivée. Car l'heure est arrivée, vous allez briller dans ce monde, mon peuple. Je fais resplendir ma lumière sur mon peuple. Je fais resplendir ma gloire sur mon peuple. Je fais resplendir mon triomphe. Je fais resplendir ma gloire. Je fais resplendir ma gloire, dit le Seigneur.
Je fais briller ma lumière. Je fais briller ma lumière, dit le Seigneur. Car je vous ai. Aucun d'entre vous ne se perdra. Car j'ai payé un grand prix pour vous. Je suis le Dieu vivant, dit le Seigneur. Mon règne est éternel. J'ai tout accompli. Entrez dans la victoire que j'ai accomplie. Mon peuple, réjouis-toi. Et sois dans l'allégresse au sujet de ce que j'ai accompli pour toi. Réveillez ceux qui dorment parmi mon peuple, car l'heure est arrivée de se réveiller. Réveillez ceux parmi vos frères qui sont endormis. Réveillez-les, car plusieurs sont endormis par le péché. Plusieurs sont endormis par les plaisirs de ce monde. Plusieurs sont endormis par les soucis de ce monde. Réveillez-les. Réveillez-les. Saisissez vos âmes. Mon peuple, je vois l'église sur la terre. L'église sur la terre est comme Pierre dans la prison. Pierre n'avait pas ses sandales. Il n'avait pas sa ceinture. Il n'avait pas son manteau. Revêtez vos âmes, mon peuple. Habillez-vous de ce que je vous ai donné. Allez en vainqueur. Allez en vainqueur, dit le Seigneur. Triomphez dans ce monde jusqu'à ce que je vienne. Triomphez. Remportez les batailles jusqu'à ce que la trompette sonne. Triomphez. Soyez animés de l'esprit de vainqueur. Nul ne tiendra devant vous. Aucun ennemi ne vous résistera. Ainsi ma gloire brillera à travers vous, dit le Seigneur ce matin. Dit le Seigneur ce matin. Je lave mon église. Je vous lave. Je viens ôter les vêtements souillés, car le diable accuse plusieurs d'entre vous devant moi, comme il accusait Josué, le sacrificateur. Je viens ôter les vêtements sales. Mon peuple, ne prends plus les vêtements sales. Je viens te revêtir. Je viens te revêtir, dit le Seigneur. Marchez en vainqueur. Marchez en vainqueur. Jusqu'à ce que je vienne. Marchez en vainqueur. Marchez à ma suite. Suivez mes pas, dit le Seigneur ce matin. Il dit, je suis en train de parcourir les nations. Je suis en train de parcourir les nations. Suivez mes pas. Suivez mes pas. Suivez mes pas. Saisissez le mouvement de mon esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'épouse. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Ma seule raison de vivre, tu es, Seigneur. Ma seule raison, ma seule raison de vivre. Ma seule raison de vivre, tu es. Ma seule raison. Ma seule raison de vivre, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison, ma seule raison de vivre.
Le Seigneur continue à dire ceci. Il dit, je me lève sur le Gabon. Il dit, je viens renverser. Je viens avec mon épée pour renverser tout autel satanique dans ce pays qu'on appelle le Gabon, qui s'opposait à ma volonté, qui s'opposait à ma voix. Je viens renverser ces autels. Je viens renverser les autels, dit le Seigneur. Car je me souviens de l'alliance avec ce pays, dit le Seigneur ce matin. Je viens renverser les autels. Il dit, chaque famille du Gabon m'appartient. Chaque famille du Gabon va me servir. Telle est l'alliance que j'ai fait avec ce pays. Il dit, cette nation ne sera pas détruite. Le Gabon ne sera pas détruit. Il dit, le Gabon ne sera pas détruit. Car il y a une alliance avec ce pays. J'ai tissé une alliance. Il dit, je me lève pour la délivrance de chaque famille du Gabon. Je me lève pour délivrer chaque famille du Gabon, dit le Seigneur. Je me lève. Il dit, je vais briser la servitude du diable qui était sur chaque famille, sur ce pays. Il dit, je vais briser la servitude. On entendra des louanges, des actions de grâce dans plusieurs familles du Gabon. Dans plusieurs familles du Gabon. Car je suis le Dieu de délivrance du Gabon, dit le Seigneur. Dit le Seigneur ce matin. Il dit, je renverse les autels sataniques. Il dit, je les renverse. Il dit, tout endroit du Gabon qui avait été consacré au diable, je viens les récupérer, dit le Seigneur. Il dit, plusieurs endroits, plusieurs institutions qui avaient été consacrées à Satan, je viens les récupérer, dit le Seigneur. Je viens, je suis celui qui suis. Celui dont les yeux sont semblables aux flammes de feu. Celui de la bouche duquel sort une épée à double tranchant. Il dit, de la même manière que Jean m'a vu dans l'île de Patmos, il a vu l'épée sortir de ma bouche. L'épée à double tranchant. Cette épée vient sur le Gabon. Elle vient sur l'Afrique, dit le Seigneur. Cette épée vient sur le Gabon. Vient sur le Gabon. Il dit, l'épée qui sort de ma bouche, que Jean a vu dans l'île de Patmos, cette épée descend sur la nation gabonaise. Elle descend sur la nation gabonaise, dit le Seigneur. Il dit, je combattais vos ennemis par mon épée. Je combattais les ennemis du Gabon par mon épée. Je combattais les ennemis de ce pays par mon épée. L'épée que Jean a vue à l'île de Patmos sortie de ma bouche. Cette épée descend sur le Gabon. Dit le Seigneur. C'est l'épée du combat. C'est l'épée du jugement. C'est l'épée de la libération. Il dit, mon armée est descendue. Je déploie les anges de combat dans ce pays, le Gabon. Car toute délivrance s'opère par un combat. Et mes anges descendent. Il dit, mes chérubins sont descendus sur le Gabon. Les chérubins sont sur le Gabon, dit le Seigneur. Il dit, l'épée que Jean a vue dans l'île de Patmos, cette épée descend sur la nation gabonaise. Il dit, mon armée est descendue. Mon armée est descendue. Mon armée est descendue. Je descends avec mon épée pour combattre. Dit le Seigneur ce matin. Il descend ce matin. Avec l'épée. Il dit, le gamin va passer par le tranchant de son épée. Le gamin va passer par le tranchant de son épée. Tout ennemi de la délivrance au Gabon
va passer par le tranchant de l'épée du Seigneur. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur ce matin. Il passera au tranchant de l'épée. Le Seigneur dit cela. Oh, dit Dieu. Il dit, je vais détruire l'autel de Baal dans cette nation. L'autel de Baal va être renversé. Il dit, je viens renverser le Dagon dans ce pays avec mon épée. Je souffle un feu qui va consumer les œuvres des ténèbres, dit le Seigneur. Dit le Seigneur ce matin. Oh, Dachim. Ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es, Seigneur, ma seule raison. Ma seule raison de vivre, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es, Seigneur, ma seule raison, ma seule raison de vivre. Ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es, Seigneur. Ma seule raison, ma seule raison de vivre. Le Seigneur dit ceci. Il va révolutionner le système éducatif au Gabon. Il dit le système éducatif va prendre une telle valeur. Un tel développement. Je vois cela. Dieu me montre qu'il va rehausser le système universitaire dans ce pays, le Gabon. Il dit de la même manière que des étudiants, des parents voient des étudiants dans d'autres pays à cause de la qualité de la formation. Il dit le temps vient où au Gabon il y aura des universités de référence. Et je vois d'autres pays dans la sous-région envoyer leurs étudiants, leurs enfants au Gabon pour étudier au Gabon, pour se faire former. Dieu vient changer toutes choses. Je vois Dieu en train d'élever le Gabon. Il est en train d'élever. Je vois il y aura des écoles supérieures panafricaines, sous-régionales au Gabon qui vont se développer. Et je vois d'autres nationalités venir envoyer leurs enfants. Je suis en train de voir cela. Je vois des écoles où des administrations du Gabon envoient des étudiants à l'étranger. Je vois ces écoles ouvrir ici ces filières qu'on n'avait pas au Gabon. Je les vois. Tu es, Seigneur, ma seule raison, ma seule raison. Il dit avant que le Gabon rentre dans la dimension de gloire, il y aura un nettoyage. Alors une nouvelle ère s'élèvera dans ce pays. Une nouvelle ère que le Seigneur est en train de me montrer. Il dit, il est en train de préparer des choses, des surprises dans cette nation que les hommes ne connaissent pas, que des hommes politiques ne connaissent pas, que des hommes ecclésiastiques ne connaissent pas, que des hommes de la société civile ne connaissent pas, que le Seigneur est en train de préparer. Le Seigneur est en train de préparer ces choses. De vie, tu es, Seigneur, ma seule raison. Ma seule raison de vivre, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es, Seigneur, ma seule raison. Oh, tous ensemble, tous ensemble. Oh, ma seule raison, ma seule raison, ma seule raison
de vivre tu es, Seigneur, ma seule raison, ma seule raison de vivre, ma seule raison, ma seule raison, ma seule raison de vivre tu es, Seigneur, ma seule raison, ma seule raison de vivre. Ma seule raison, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es, ma seule raison, ma seule raison de vivre, une fois encore, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es, Seigneur. Ma seule raison de vie. Écoutez encore ceci. Le Seigneur dit ceci. Le Gabon va connaître. C'est une prophétie que le Seigneur libère. Il dit le temps vient et il est arrivé. Où dans la nation gabonaise, ceux qui étaient sur les chevaux deviendront des esclaves. Et ceux qui étaient qu'on avait rendus esclaves vont monter sur des chevaux comme des princes. Parce qu'en réalité, ce sont des princes de Dieu. Dieu dit qu'il élève ses princes dans cette nation. C'est ce que Dieu dit. Il dit ceux qui étaient sur des chevaux jusqu'à l'heure actuelle au Gabon, Dieu va les faire descendre des chevaux. Et ceux qui avaient été rendus esclaves, comme le peuple juif, le peuple d'Israël en Égypte, Dieu va les faire monter sur les chevaux, dit le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il change la donne. Il dit, ceux qui avaient été rendus comme des esclaves, il va les faire monter sur les chevaux. C'est ça que le Seigneur dit. C'est ça que le Seigneur dit. Ma seule raison, ma seule. Oh, chantons ensemble pendant que nous sommes dans ce culte prophétique. Ma seule raison, ma seule raison de vivre, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es. Ma seule raison de vie. Écoutons encore la parole du Seigneur. Ce matin, il dit, l'Afrique ne sera pas détruite parce que l'Afrique l'appartient. Il dit, l'Afrique ne sera pas détruite jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne chercher son église. Il dit, le diable ne pourra pas arrêter son plan pour l'Afrique. Il dit, si l'Afrique devait disparaître, l'Afrique allait disparaître lors de la traite négrière, lors de la traite des esclaves, lors de la traite des noirs. Mais il n'avait pas permis cela. Alors il dit que l'Afrique ne disparaîtra pas. Le peuple africain ne disparaîtra pas. Il dit, de la même manière que Pharaon en Égypte, lorsqu'il avait donné l'ordre de tuer tous les garçons du peuple juif, de la même manière que le projet de Pharaon n'avait pas abouti pour exterminer le peuple juif, pour tuer tous les garçons en Égypte, de cette même manière, le peuple africain ne disparaîtra pas. Parce qu'il est le Dieu des continents. Il est le Dieu des peuples. Il est le Dieu de peuple. Il est le Dieu de peuple. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui doivent être sauvés. Il y a beaucoup d'Africains qui doivent rentrer dans l'arche. Ma seule raison de vivre, tu es, Seigneur. Ma seule raison.
ma seule raison de vie. Oh, ma seule raison, tous ensemble, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison, ma seule raison de vie, ma seule raison, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison de vie, oh, ma seule raison, ma seule raison de vie, tu es Seigneur. Ma seule raison, ma seule raison de vie. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Poussons des cris de joie. 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 Poussons au roman de Chayon. Yeah.